Que ferait-on sans les flacons plastiques? Eux aussi, ils finissent dans le sac bleu. Après collecte, les flacons plastiques sont acheminés vers le centre de tri. Puis après avoir été triés et mis en balle, sont envoyés à l'usine de recyclage. Oui, professeur, montrez le chemin de l'usine de recyclage aux petits, même s'il ne le veut pas. Broyés en paillettes et après coloration, ils seront mis en sac et permettront de fabriquer de nouveaux flacons. Des tuyaux, des sacs poubelles et pourquoi pas des poubelles elles-mêmes. Faire du neuf avec du vieux, c'est contribuer à un meilleur environnement. Vous voyez, professeur, même le petit n'a plus peur du recyclage.